coup, si vous partez en hors saison ou bien même en pleine saison, vous avez un risque d'avoir de la pluie ou bien du froid. Du coup, tous les véhicules de chez Freedom Camper sont équipés d'un chauffage stationnaire. Le système de chauffage stationnaire, c'est le système Webasto Airtop, qui est donc une chaudière, comme à la maison, qui est sous le véhicule, qui permet de réchauffer l'habitacle ou bien d'assécher l'air, et qui fonctionne avec de la batterie auxiliaire et du gasoil. C'est un système qui est très simple. Je vais vous montrer le bouton. Donc, comme vous voyez, le bouton, il est entre les deux sièges. Je passe le bras, je tourne. Vous avez un voyant vert qui est allumé. Et donc, au bout de 5-10 minutes, nous allons avoir sur la bouche de ventilation de l'air qui va sortir. Comme vous voyez, nous avons plusieurs traits. Plus le trait est épais, plus c'est chaud. Généralement, vous mettez sur 3 ou sur 2, donc deux segments ou trois segments, et vous vous retrouvez avec une chaleur tout à fait standard, comme si vous étiez à la maison. Pour l'éteindre, il suffit simplement de remettre à zéro, et donc vous vous retrouvez avec un chauffage qui va s'arrêter au bout de 5-10 minutes.